Bonjour à tous, ça va ou quoi? Permettez que je prends mon café avec vous, je viens de me réveiller, ça va ou quoi de la famille? Aujourd'hui on va tourner une nouvelle vidéo sur un item Shitax, un item qu'ils ont buff sur un hot patch hier ou avant-hier, je sais plus. Et l'item il est vraiment incroyable, il s'appelle Hubris, je sais pas si vous connaissez, ça donne un peu une dimension scaling en fait à l'Isineta, tu vois. Regardez là dedans les uns. Je suis dans la chop, personne peut m'arrêter, ouais ton stun il marche pas mon pote. Hop, dash en arrière, Warprick, RQQ. Ça, c'est les moves saison 14, les mecs. C'est l'item, moi je l'appelle l'item du roi de la jungle. Tu vois, c'est l'item. Quand tu fais des kills, tu gagnes des statuts, tout ça là. Et après, ça donne une dimension scaling parce qu'à chaque fois que tu fais un kill, tu gagnes de l'AD pendant 1 minute 30, je crois, en fonction de. Je crois que c'est 15 plus ton nombre de kills. Et du coup, t'as une statue de toi dans la fontaine. Et quoi de mieux qu'une statue de Soul sur son Lee Sin, le roi de la jungle, dans, à la, juste à la sortie de la fontaine, tu vois. Ça veut dire, j'étais là, je te carry ta game. Toi, tu sors de la fontaine, tu viens de mourir. T'embrasses les pieds de la statue, après, tu vas sur ta lane. C'est l'item parfait, tu vois. Il est mort de là-haut, de l'hydro... Non, c'est trop. C'est trop. J'ai une tech de malade mental, je vous jure. Du coup, on va jouer ça aujourd'hui. Et je pense que ça va rentrer dans le build définitif de Lee Sin à l'été en tant que core item, parce que vraiment, c'est fort. Vas-y go hein. Oh exhaust comme ça. Et j'ai gratté mon Dark Harvest, c'est ce que je voulais. Ah l'ambiance elle est bizarre là. L'ambiance elle est maxi bizarre. Je vous jure, j'y vais au point où j'en suis. C'est pas perdant pour moi de faire ça. Parce que de base, j'ai un PV et j'ai pas envie de faire ma jungle avec un PV. Là, je reviens avec Longsword du coup, c'est bénéf. Je vous jure, mourir niveau 1, des fois c'est rentable. Hein. C'est... En plus, là, je reviens avec un kill, donc c'est encore plus bénéf, tu vois. Mais c'est un fast back. Parce que niveau 1, quand tu dois back et que t'as un PV, ça dure là longtemps. Hein. T'es là, t'attends la base, ta barre de vie remonte, tout ça. Des fois, c'est mieux de mourir, hein, je vous jure. Smite bleu pour l'état. En gros, il n'y a pas de mauvais smite sur les skins, les trois sont bons. C'est juste que moi, j'aime bien jouer que le bleu quand je joue l'état l'été parce que bah je cours plus vite dans la jungle, donc je vais one-shot plus vite entre guillemets. Hop là. Tiamat. Tac. On va prendre une petite pink aussi. Je le redis pour ceux qui savent pas, mais en gros, le build d'état que je vous avais présenté la dernière fois, il est encore mieux parce qu'il a été buff. Pour Fan Hydra qui perd 100 gold, plus le Tiamat qui a été buff, donc ça c'est cool. Il coûtait 3004, il coûte 3003. Et en deuxième, il faut jouer Hubris. C'est genre. Le thème a été giga buff et il est trop cool sur les scènes. On aide à push et je vais ping le Drake. Evin elle est sûrement sur les Void Grubs. Pire smite du monde, mais au calme. Comme je disais, Evin était sur les Void Grubs, on compense avec le Drake. Les Void Grubs, les larves là, c'est pas un truc que je veux prioriser. Même si c'est fort, à Lee Sin, j'ai un peu la flemme de les faire en early. Je préfère juste qu'on teste les deuxièmes. Ah, tu peux mourir à eux. Non, ça kill pas. Non, ça kill là. Xera tu meurs aussi, c'est cool, ok. Faire le reste de ma jungle, moi. Là, je pourrais faire le raid et aller passer level 6 dans la jungle d'Evelyn. J'ai le timing de sang bleu vu que je l'ai fait tout à l'heure après mon raid buff. C'est sûrement ce que je vais faire d'ailleurs. Hop, passe level 6 ici. Q par là, je l'ai pas eu, dommage. Hit Black River, ouais, sur le build Breezer, puis bien d'accord, c'est ça. En fait, il y a trop de gens en Europe Ouest qui ne jouent pas Shojin sur Lee Sin. Enfin, ils jouent Breezer et je comprends pas. Genre, vraiment, je ne comprends pas. Le Theorycraft, des joueurs pro et tout là qui jouent. Oh, sa mère, ça touche pas ça. Et ouais, les mecs, Hydro Profane Gaming. Voilà comment ça se passe.
Sur le Build Breezer, moi je vous recommande vraiment Shojin dans les premiers items. Hein. Je pense vraiment que c'est le truc à faire sur les Sins. C'est Tiamat first. Et après, soit tu finis Drovoras, soit tu gardes le Tiamat et tu fais Shojin direct. Et après, tu fais Black Cleaver et tout ça. Je pense vraiment que c'est ça le build. Hein. Les gens qui jouent pas Shojin sur Lee Sin Breezer, vraiment je comprends pas. Pour moi, c'est core build Shojin. Et si elle est ventrée, tu le fais genre en 3 ou un truc comme ça, tu vois. En fait, le Tiamat, il est trop fort pour ne pas être pris, tu vois. Genre, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour Lee Sin, hein, monsieur. Vous avez Regen, CDR, Clear Jungle amélioré. Vraiment, les Tiamat, il faut jouer ça. Hein. Je te cherchais, toi. Je l'ai vu sur une petite frame, la Evelyn. Si elle est dans le coin, du coup. Barre, tunnel, mon gars. Il y a Xerath qui traîne par là. Et pas plus, sinon je vais mourir. Par contre, ça chope. Où est-ce que tu vas, mon pote? Où est-ce que tu vas, mon pote? J'ai pas vu sur qui l'auto était, je préférais flash, on sait jamais. Ouais, après le build order il peut changer dans tous les cas. Là je vous ai donné un build order classique sur les Sin Breezer. Mais dans tous les cas, retenez que Shojin c'est trop broken, il faut pas ne pas le jouer. Hein. C'est vraiment. Lee Sin, ça le. En fait, Shojin, je vais vous expliquer pourquoi c'est trop fort sur Lee Sin. Regardez le truc. Déjà, les stats, il y a tout ce qu'il faut, tu vois. Il y a 35 de CDR, l'AD, les HP, et surtout, sur les spellcasters. En AD, c'est trop fort, Lee Sin. En gros, une stack de Shojin vous donne 3% de dégâts en plus, cumulable 4 fois. Et à chaque fois que vous lancez un sort, vous gagnez un stack, tu vois. Comment on joue ça, je sais pas trop. Je me suis raté sur le kick. Non, mais je me suis un peu fait sur le kick. Vous savez quoi, on va faire le move. On va faire le move bien saison 14, bien broken. Et parti. Regardez la dingue. Hein. Je suis dans la chop. Personne peut m'arrêter. Ouais, ton stun il marche pas, mon pote. Hop, dasher en arrière. Warprick. RQQ. Ça, c'est les moves saison 14, les mecs. On remonte dans la chop. Je sais pas si elle va taper. Ça va pas taper, dommage. J'aurais bien voulu retaper la tour parce que ça invoque des trucs de belvette. C'est bizarre le move là. T'as vu qu'on fait mal hein. On fait très très mal hein, avec cet item. Hein. Là je suis à 19 là. Ah, on est sur la map infernale, je viens d'y penser. Du coup, bah vous avez les. Merde, j'étais pas focus. Oh là là, ça c'est beau ça. J'étais pas focus, du coup je disais, vous êtes sur la map infernale, du coup il y a des petites plumes à ramasser par terre. Et ces plumes là, ce qu'elles font, c'est que tous les 3 plumes récupérées, vous gagnez 1% d'ability, enfin 1 d'ability haste, donc 1 de CDR. Donc si vous passez par, voilà, vous voyez, devant, prenez-les, ça vous donne un petit peu de move speed. Et surtout, ça vous donne de la CDR. Donc pensez-y tous les 3, 1 de CDR, ça c'est bon, ça à prendre. Je vais pink ici pour voir si Evelyn elle arrive. On a l'info sur Tristobot, Rinachor. Vraiment, je m'en fous complet, je le fais comme ça. Wesh, les dégâts. Vous voyez là, j'ai 23 d'AD pendant 1 minute 30, c'est gentil. On ramasse les petites plumes, ça fait toujours plaisir. On va reset pour aller jouer le Drake. Oh, l'item cheaté. Vraiment pris 5 secondes de CC par contre. Je les ai pas sentis, mais c'est vrai que j'ai pas bougé pendant un petit moment. Sort Lileta pour chaque game où c'est situationnel. Moi je joue Lee Sin Leta tout le temps par préférence. Mais sur YouTube, je vous montre un peu de tout. Et sur Twitch aussi, du coup, vu que je tourne des vidéos là. Moi je vous montre tous les builds, mais moi ma préférence c'est ce que je joue là maintenant, tu vois. Après, bien sûr, il y a des games où je peux pas jouer létalité, je joue Breezer.
Mais on va dire 80% des games, je l'ai talité parce que moi je suis confiant. En fait, si je joue bien, je suis récompensé. Si je me rate, je meurs direct. C'est ça les avantages et inconvénients de ce build-là. Genre, tu me prépares ça, merci mon gars. LED, 2 secondes, 1 seconde. Oh non! J'ai sauté au pire moment. Rindamer, il a pas de TP. Ouais. Toi, dégage ta mère 5 minutes. Voilà, c'est réglé. Aussi dégage ta mère. Bon, moi je vais en profiter pour push au mid vu qu'on a tué quasi tout le monde. Et le clear comment il est trop agréable avec hydroprofane. Yeah. Je voulais forcer un peu plus mais je pense que c'est pas la peine. Ah dommage. Cancel anime sur Tristana, il était clean. Ça, c'est un move que je vais présenter dans mon guide. Bon, si vous avez déjà vu mes guides, vous savez de quoi je parle. Et quand c'est l'animation, là. L'avantage, c'est qu'on peut mettre le E et le Tiamat en même temps. Donc, ça va vite, ça. C'est devenu un mini-objectif à contest, maintenant, les raids et les blues. C'est ça qui est cool. Ça dynamise de ouf, la jungle. Ça les donne à tout le monde une fois que tu les as. Hop. T'as pas appuyé sur R trop tôt. Enfin, plutôt, c'est ton problème, mon gars. Finir en fait. Hein. Non, venez les frères, venez, s'il vous plaît, faites pas les bronzes, venez, on termine. Faut pas hésiter à spamping, hein, genre, quand tu vois que je peux finir et ils vont nage, ou ping. Hop, la fenêtre pour toucher, c'est au moment où il lance son spell. Voilà, bien joué. Hein. Fin de game un peu laborieuse, mais tranquille, ça passe.